Donc là, on va y aller avec par des petits exercices, mais vraiment très spécifiques sur déplacement, sur les parades, et puis après sur un petit jeu, voir un peu, comme je disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'il met en œuvre pour aller chercher la balle avec la main droite ou le pied droit, etc., etc. Donc on va faire quatre ateliers. 1, 2, 3, 4 ateliers. On va faire un atelier ici de déplacement équilibre devant le Dima. Donc ce que je demanderai au gardien de but, c'est sur son déplacement, je pars de côté, je me déplace là, et je dois protéger le Dima. Je me déplace ici. D'accord? On fait ça pendant une dizaine de fois. C'est pas mal. Bonne stabilité là. Elle arrive à se déplacer. Je pense qu'elle est encore un petit peu sur l'arrière. Encore un petit peu. Donc un peu plus vers l'avant. D'accord? Mais c'est pas mal. Tu prends ta place, tu es bien équilibré et tu protèges ton Dima. C'est parti. Allez. Allez. Là. Ouais, c'est pas mal. Vers moi. Un petit peu vers moi. Mets tes mains face à toi. Voilà. Allez. Change de côté. Un coup à droite, un coup à gauche. Voilà. On va rajouter quelque chose. Je prends un ballon. Je te monte la balle. Il faut que tu ailles sur la balle. On y va? Vas-y. Non, 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 non. Pourquoi t'anticipes? La protection, elle est là d'abord. Je te montre et tu vas à la balle. Ok? Vas-y. Vas-y. Stabilise-toi. Et là. Ok. Vas-y. Vas-y. Encore. Stabilise-toi. Là. Voilà. Allez. Stabilise-toi. Là. Ok. Vas-y. Là. Ok. Ce qu'on demande en plus. Vas-y. Vas-y, mets-toi en face de toi. Présente la balle ici. Tout à l'heure, on m'a posé la question, mais c'est exactement ce qu'il faut faire. Ici, tu as tendance à rester sur le même plan, sur la même ligne. Le but du jeu, c'est là, j'attaque. D'accord? Là, j'attaque. Ok? On y va? Tu essayes? Mettez-vous à deux, comme ça vous le faites toutes les deux. Ici, on fait un travail de déplacement à échelle de rythme. Vous voyez, on est entraîneur. Premier entraîneur, c'est l'adaptation de la situation. J'ai pas d'échelle de rythme, j'ai du strapal, je le fais. J'ai des languettes, je fais mon échelle de rythme. On a la chance d'avoir une salle avec plein de lignes, ça peut être aussi une échelle de rythme. D'accord? Donc, tout entraîneur, donc ici, classique au départ, je passe et je demande à ce qu'on fasse une motricité au niveau du bras. Je monte, je descends, je monte et je passe un pied dans chaque truc. Ok? Allez, va chercher la balle. Hop, voilà. Encore, vas-y de l'autre côté. Ouais. Allez. 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 Allez, ok, enchaîne. Allez, 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 ok. Maintenant, tu te mets ici sur le côté, tu passes la jambe et tu fais toujours la même chose. Ok? Allez, vas-y. Ici, petit travail de tennis, tout simple. Un seul rebond. On a droit à un seul rebond. Ok, très bien. Allez, enchaîne. Et ici, on est sur les parades basses. Position de départ, on imagine c'est la ligne de but. Je vais chercher la balle et je lui donne. Donc il y aura un collègue avec moi qui sera chaque fois en face pour que je fasse un échange de balles. C'est vrai, quand on voit des joueurs faire des arrêts sur des tirs bas, ils sont généralement couchés par terre ou quoi que ce soit. Mais d'abord, il me semble qu'il faut qu'il y ait la base et la technique de la parade basse. J'ai pris l'idée de faire la parade basse maintenant. Donc je suis ici, d'accord? C'est pas le buste qui tombe, d'accord? C'est une flexion totale du genou. Mon buste équilibré et ma jambe tendue opposée. Il faut que ça fasse une ligne, d'accord? Le danger, c'est les enfants, surtout chez les 11-13 ans, c'est de faire des parades basses comme ça. C'est un danger. Pourquoi c'est un danger? Genoux, cheville, et puis au niveau flexion, on n'en a aucune. Si je fais ça, je ne peux pas aller chercher le ballon en bas. Par contre, si je fais ça, je peux aller la chercher. D'accord? Donc assez précis sur le placement de pied, là, ouverture du pied vers l'extérieur. Ça marche? On y va? Essaye. C'est un garçon qui est très très grand, on l'a bien vu, hein. Donc on écarte
pour essayer de retrouver ce qu'on demande. Et qu'est-ce que tu as fait pour aller là-bas? Ouais, t'as sauté. T'es ici, t'as sauté et après t'es allé chercher la balle. Interdiction de sauter! Tu sautes, il y a un tir, comment tu fais pour attraper la balle? Si tu n'as aucun appui au sol. Il faut toujours garder dans la formation un appui au sol, toujours. D'accord? Donc c'est loin, hein, mais il faut faire peut-être une prise d'appui. Là. Allez, vas-y. 1, 2, hop! Oui. Encore une fois, donne la balle. Vas-y. Hop! Oui. Passe bien derrière la pastille là-bas. Vas-y, hop! C'est mieux, hein? Par contre, on va venir. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais il y avait certains gardiens et gardiennes qui n'avaient pas de fermeture pied-main sur les tirs mi-hauteur. Parce que mécaniquement, c'était un peu difficile. Chez les gamins, chez les garçons de 11-13 ans, je leur propose cet exercice-là qui est très simple. Je lui demande de franchir cette chaise en montant le genou et en posant le pied derrière. D'accord ? C'est la première partie. La deuxième partie, je lui demande de passer ici et d'ouvrir la hanche pour passer sur le côté. Et après, je demande de monter et de faire ça. On est d'accord ? Vas-y. Vas-y. Ok. Ok, vas-y. Ok. Ok. La plupart du temps, vous avez pris appel ici. Mais ici, c'est le moment où il y a la ligne de but où je fais la parade. Et puis surtout, quelque chose d'important, je vous ai dit, la flexibilité du travail de pied. Ils ont tous fait l'exercice en ayant le pied à plat. L'idéal, c'est ça. Là, je prends de la place. J'aime bien imager, comme ça, c'est facile pour qu'ils identifient le progrès qu'il y a à faire. La fermeture pied-main, c'est une paire de ciseaux. C'est une paire de ciseaux. Je l'ai ouvert, je le ferme. Tous, différemment, ils ont qu'un aspect moteur. C'est soit la fermeture du pied, ou soit la fermeture de la main. C'est-à-dire qu'ils sont déjà positionnés ici pour faire la parade. Non. Je suis ici, ma première réponse, je suis là, équilibré. J'avance, là, et je ferme. Ok ? Je le répète, il faut prendre en compte le jeune dans le but. Il faut le valoriser et il faut être toujours positif. Et surtout, amenez-lui du plaisir dans ce qu'il fait. Un arrêt, il faut que tout le monde applaudisse. Une erreur, il faut que tout le monde l'aide. Et vous verrez qu'on en mettra beaucoup, beaucoup plus de gardien de but que ce qu'il en est maintenant. Et n'hésitez pas, dans les petites catégories, si vous avez des petites catégories d'entraînement, de les faire passer tous dans le but. Tous. Ah, il y en a qui vont râler, mais peut-être que... Parce qu'il va faire un arrêt, il va faire « Ah ouais, putain, t'as vu, j'ai fait l'arrêt !» Mais peut-être que c'est un bon point pour la suite, et peut-être qu'il ira dans le but. Par expérience, moi j'arrive du foot. J'ai joué à Nîmes Olympique au foot jusqu'à l'âge de 11 ans. Je suis arrivé au handball, j'étais en classe promotionnelle à Jules Verne. Et j'étais joueur de champ. Et un jour, il manquait un gardien à l'entraînement. Et parce que j'étais gardien de but au foot, j'ai dit « Ben pourquoi pas, quoi ?» Eh bien, j'ai fait un arrêt, deux arrêts, j'ai vu que mes collègues, eh bien, ils étaient contents de moi, ils m'encourageaient, eh bien, j'ai dit, écoute, je crois que la place que je dois faire, eh bien, c'est d'être gardien de but. Et j'en ai fait 17 ans. C'est con la vie, hein. Ils parlaient de rencontres ou de situations, mais voilà, il faut aimer d'être gardien surtout. C'est ça le plus important. Enfin voilà quoi, merci beaucoup.